Bonjour et bienvenue dans notre... Ouais. On a un cheval en feu. Chacun son truc. Chacun son truc, on a un cheval en feu. Alors là, on doit faire parler en tous à chez elle, ça marche. Ah, honnêtement, je suis pas très fan. On va le garder un moment pour comme ça, mais... pas trop fan. Ton plan a marché, on dirait. Ces hommes m'ont tendu une embuscade. C'est ce qu'on m'a dit. Et tu n'as eu aucun mal à t'occuper d'eux. Ce n'était pas mon premier combat, Corinth. Ni ton dernier. Nous allons punir le maquignon au théâtre. J'ai préparé une pièce à la corinthienne qui marquera les mémoires. Brasida s'inquiète de l'anarchie qui risque de régner à la mort du maquignon. Il veut qu'il meure, mais sans causer de troubles. Nous sommes loin de Sparte, et lui aussi. À Corinthe, on fait comme les Corinthiens. Alors, tire-le, je vais l'emmener dans la grotte. Ah, putain, oui, du coup, la grotte comme le Spartiate ou le théâtre. Non, je veux faire la grotte, moi. Je suis de l'avis de Brasidas. Je pense qu'il faut l'amener à la grotte sacrée. Ce n'est pas ce qui était prévu. Le maquignon doit disparaître, mais aussi être oublié. Nous l'affronterons dans un lieu privé, et il mourra. C'est toi qui m'as parlé de compromis. Si tu insistes, nous te retrouverons à la grotte sacrée. Ah, c'est, j'ai pas envie de me taper un théâtre, en fait, honnêtement. J'ai pas envie de faire un théâtre. Puis j'aime bien le mec, le Spartiate là, il est cool. La dernière fois on a eu une super cinématique avec le Spartiate, c'est vraiment sympa. On est là. Comment on monte? Par là. Je crois. On est déjà venu là, mais. Ah. Alors, c'est toi la demi-déesse qui parcourt les rues crasseuses de Corinthe, qui tue mes hommes et qui aide ces maudites sensus. Ouh, tu fais partie du culte, toi. Aussi arrogante que ta mère. Oula. Quoi? Non, oh, tu peux parier que si, ma mignonne. Retire tes sales pattes. Et quand je régnerai, je t'arracherai la tête. Et je l'enverrai au culte en guise de preuve. Eh ouais. Tu fais bien partie du culte. C'est la musique hein, qui m'a... Qui... Quoi? Tu as connu... C'est ça. Fais ton malin. Je vais te remettre à ta place, moi. Je vais te réduire en bouillie. Deimos va regretter d'avoir manqué ça. Sauf si je lui apporte la tienne. Fiche le camp de cette ville, ma ville. À partir de maintenant, ce n'est plus la tienne. Fiche-moi le camp de mes rues. 50% de dégâts, aptitude guerrier. Ouh. Ouais, on va se faire un build à un moment, genre complètement mêlé. Ça, c'est pas mal celui-là. Dégâts, aptitude de guerre et 50%. C'est énormissime. Il n'était pas nécessaire de le croiser, le maquignon, dans les rues de Corinthe pour en ressentir la présence. Ces hommes demain s'y pavanaient. La ville autrefois, le port le plus riche et le plus prospère du monde grec, était désormais englué dans la corruption. Le culte se servait de la cervelle limitée et des muscles du maquignon pour régner. Un truc qui est sympa, c'est que dans la cinématique, on le voyait, il était genre... Le crâne rasé, tout ça, pas de barbe et tout. Et là, on voit qu'il a changé le mec et tout ça. C'est bien, ça c'est cool. Parce que la plupart du temps, les personnages ont toujours la même gueule, en fait, du début à la fin. Donc ça, c'est des petits détails, c'est sympa. Ne te bats plus contre moi, tu n'as plus toute ta tête. Vous voulez rire, les mecs?
Très bien. Fait chier de combattre dans l'eau. C'est pas vraiment bien pour moi. Et voilà. J'aurais bien aimé voir Deimos te briser la nuque. Ne me fais pas rire. Attends, non! Il faut que la population de Corinthe le voie mourir. Anthusa. Fais-le sortir d'ici et amène-le au théâtre. Que tous puissent voir qu'il n'est qu'un lâche. Oh là là, fait chier, non? Non. Ah, elle va tu pas être. Qu'il meure. Eh bien, c'est fait. Elle va pas être contente, mais bon. C'est dommage que les gens n'aient pas vu couler son sang. Ses cris auraient résonné dans toute la ville. Ouais, mais il ils ont... est mort. J'ai rempli ma part. Ils ont pas besoin de ça. Oui, tu as raison. Il est mort. Amène son cadavre sur la place. Que les gens gardent le souvenir de sa fin. Quant à toi, Cassandra, je te dois des informations. Je te parlerai de ta mère. Mais pas ici. Évidemment. C'est jamais à l'endroit. On va sûrement aller chez elle, là. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait. Et pour une fois, je peux même remercier Alcibiade. C'est lui qui t'a envoyé, après tout. Oui, c'est un homme qui gagne à être connu. Il avait surtout compris que tu pouvais sauver Corinthe. Tant que j'obtiens ce que je veux. Sa mort va me rapporter à moi aussi. C'est le principal. Parle-moi. Myrine, oui. Elle n'a passé que peu de temps à Corinthe, mais elle m'a fait forte impression. Une vraie tornade. Ça ressemble bien à mon souvenir. Une femme forte, d'une grande intensité. Elle a cherché à s'installer ici, à Corinthe, mais je crois qu'elle n'a jamais trouvé ce qu'elle cherchait. Tu parles d'elle avec affection. Vous étiez amis? Nous nous entendions bien, mais... il y avait en elle un grand vide auquel personne ne pouvait accéder. Après Corinthe, où est-elle allée? Ça, je l'ignore. Elle a dû te laisser un indice. Je crois qu'elle-même ne savait pas où elle irait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a gagné un navire lors d'une partie de dés. Rien que ça. Mais je n'ai jamais oublié le nom de ce navire, le Chant de la Sirène. Le Chant de la Sirène. Il était connu pour avoir résisté à tous les pièges de Poséidon. Merci, Anthusa. Puissent les dieux veiller sur toi, Cassandra. Reviens quand tu veux. Je te donnerai des nouvelles de Corinthe. Mon avenir s'annonce assez intéressant, je crois. Le mien aussi. Cool. Si je trouve quelqu'un qui connaît ce bateau, j'aurais fait un pas de plus. On a bien aidé Damalis et on s'est bien amusé. Demain est un nouveau jour. Corinthe va renaître. Bon, bah ça c'est bien, c'est une bonne chose de faite. Donc le maquignon. Donc c'était lui. Non. La lettre du sage au maquignon.
Sang rouge, le roi a envoyé Brasidas en Corinthe. Il nous gêne depuis trop longtemps. Renvoie-le à Sparte sur son bouclier. Le vrai sang est rouge. Ah, il voulait que le Maquignon tue le Spartiate, en fait. Je crois. Ouais. Brasidas. Alors là, on a un beau casque. Le casque de héros de guerre spartiate. Est-ce qu'on peut faire ça? S'équiper, changer icône. Falloir changer icône. Ouais, genre ça. Ah, les classes! Alors, fais voir. Ah, mais putain, je viens de capter pourquoi c'est verrouillé. Oh mon dieu, c'est parce que c'était sur l'autre build. Oh là là, l'autre set. Débile, quoi. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont dû me le dire. Il est tellement classe quand même, le carquois. Ouais, faut le dire. Alors, ça... on va pas changer. On va pas mettre ça. Ça... Ah tiens, on a eu ça. Toutes les flèches percent les boucliers et 30% de dégâts de chasseur en plus. Ah oui, on avait ça, c'était pas mal. Toutes les flèches percent le bouclier. Ça, c'est intéressant, ça. Ah, qu'est-ce que c'est classe. C'est classe ce casque. Donc ça c'est le set de guerrier spartiate. Mais je crois qu'on n'en a pas d'autres de partie. Hein. Ça me dit rien. Ah si. Petite de guerrier. On a ça. On en a deux. Après on a les trucs d'assassin. Donc on a deux parties de héros de guerre spartiate. Assez classe, hein. 50% de dégâts aptitude guerrier. Ouais. Ça peut être pas mal. Hein. Après, les hommes du Maquignon, ça m'intéresse pas. Incapables de revenir à leur vie d'antan après leur libération, alors que ce soit pour se racheter ou fuir leur passé, ils prenaient la mer. Ouais, on va garder les Spartiates d'élite. C'est même pas des Spartiates, c'est des Spartiates d'élite, attention. Ça c'est babylonien. Les Tyréniens. On va prendre des trucs violets quand même, c'est plus stylé. Du coup, on peut essayer de trouver un meilleur les autres parties. On peut voir, c'est des membres du cul qui donnent tout ça. Ah, tiens, fantôme inspire à la liberté, le fantôme compte annoncer une nouvelle ère. Alors on va sauvegarder. Du coup, il était où le mec qu'on a tué, le Maquignon là? Maquignon. Le Maquignon. Après, il y a lui. Conversation entre adepte entendu. La famille de l'adepte est menacée par le culte. Il faut poursuivre l'Odyssée.
Ah oui, je me rappelle de lui. Je me rappelle. Tu frappes héroïque. Ouais, c'est ça. T'es classe. Il y a écrit quoi dessus? Je sais pas. Je lis pas le chinois. Et ouais, t'as vu, j'ai la classe. Hein. Désolé, j'ai essayé d'être drôle. Ah putain, t'es qui toi? Eh merde. Attention. Il faudrait pas... Oh mon dieu, les dégâts. Elle, il faut la prendre pour le bateau. Quoi? Oh mon dieu, sans déconner. J'ai de la résignation, ok. Midilos peut mourir. Comment on va faire ça, donc? Ah, elle s'est soignée, c'est bien ce que je pensais. Il a quoi? Il a un marteau en feu? Qu'est-ce que tu me fais, Cassandra? Vous savez où je suis ou pas? Ah oui. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Nouvelle quête, amant rivaux. Mais... Oh putain de toi quoi.
Fais chier, l'autre elle est tombée, quoi, connasse. Putain. Elle avait l'air classe en plus. Ah, ça m'emmerde ça. Ah, c'est pas grave. Comme j'ai dit, les choses comme ça, ça arrive, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Alors... Là, on a parlé à l'homme politique. D'abord, on va faire ça, parce que c'est juste à côté. On a déjà fait cet endroit ou pas? Ah si si. On y va. Hop là. Je peux juste aller brûler le truc là. Là-bas. L'autre, il a du tout massacré. Gardien du mur effondré. Ouh. Ouh, c'est pas mal ici. Coffre là. Très bien. À prendre. Ok, on peut aller faire la quête. C'était des mecs du Maquignon, non? Enfin, je crois. J'en sais rien. Je sais pas. Ils étaient là. Fallait pas être là. Excusez-moi, je passe. Avec mon cheval de feu. On est là. Bonjour. Besoin d'aide, homme d'État ?
Toi, tu es la mercenaire dont m'a parlé ma belle Antuza. Il paraît que tu as de l'influence sur elle. Ton Antuza? Je ne la savais pas liée à quelqu'un. Oh, il existe un lien unique entre nous. Si seulement elle acceptait de le voir. Quelqu'un d'autre a attiré son regard. Une seule personne? Une poétesse des Argentais qui lui susurre des mots creux dans l'oreille. On dit qu'elle ne lui envoie même pas de cadeaux. Elle se sert d'elle, c'est clair. Mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Oui, je comprends pas là. Peut-être qu'une personne respectée par Antuza pourrait trouver une raison d'éloigner cette poétesse. Et Antuza y verrait plus clair. C'est pas celle qu'on a tuée? Oui, elle doit rencontrer le passeur. Tu ne sais pas que cette affaire est déjà réglée? Grâce à moi. Du bon travail, mon ami. Je crois que ceci te revient. Ça ira. Merci. Là, si c'était aussi simple dans la vie, ce serait mieux, hein. Il y aurait moins de problèmes. Faites pas attention à ce que je dis. Faites pas attention à ce que je dis. Alors, c'est quoi ça, un temple? Ah, je voudrais bien les autres parties de l'équipement, là, hein, pour faire un set complet guerrier, là, ce serait marrant. Après, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Bah, guerrier, peu, on peut faire. Trésor de l'acropole. Ah. Ça va, vous êtes aveugle. Si je veux éviter un combat, je dois rester caché. Ah putain. Faire des flèches. Comment on fait des flèches déjà? Comme ça. Presque. Qu'est-ce que vous avez là? Mais l'autre, genre l'autre elle a pris sa lance quoi. Non mais... Délirant et destructeur. C'est bon? Ah pute! Mais... Saloperie, quoi. Je sais pas si t'es bonne en fait. Comme tu vas crever du feu. Ouais. J'ai un navire, un bon. Je cherche des marins. Ça te tente? Quel bordel des fois ce jeu. Alors. Ouais, Nymphodoros.
Donc on utilise Philaon. Ouais, il est mieux quand même. Hein. Il est quand même mieux. Bon, on en était où? Là, 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 là. C'est bon. On a fait une quête encore sans vraiment le vouloir. Donc on va aller récupérer notre récompense. Comme elle est tombée. Ah, mais on le connaît, lui. Ah non, c'est elle. Guérée, guérisseuse. Besoin d'aide? Un de mes patients erre dans les rues. Il délire. Et son infection s'aggrave. Ah. On devrait pouvoir faire quelque chose pour lui. J'essayais de l'aider, mais des brigands ont pris les herbes dont je me servais pour préparer un remède. Maintenant, ce que je crains le plus, c'est qu'il transmette son mal à d'autres. Et tu as besoin d'un mystios pour le tuer. Ce serait parfait. Oh, tu peux cesser de t'inquiéter. J'ai déjà arrangé ça. Beau travail, mystios. Mais ouais. Tu as mérité ton argent. Ça ira. Parce qu'on tue des randoms, donc... des fois, on tue les bons. J'ai envie de dire. Des fois, on tue les bons. Alors, du coup... On a beaucoup d'endroits à visiter. C'est quoi ça? Épreuve de jugement. Xamier Sultière, quel est le dieu le plus dangereux? Ah oui, c'est ce qu'elle nous avait dit. Prince of Persia, non. Le retour du fils prodige. Ah, qu'est-ce qu'on fait ça? Ça a l'air pas mal. On peut faire tous les points là, hein, tous les points intéressants. On peut peut-être faire ça, dans la forêt, là. Comme ça, on sort un peu de la ville, parce que ça commence un peu à me gaver d'être dans la ville. Surtout les civils qui prennent des lances, là. C'est bon, quoi. Allez. C'est quoi, c'est un camp spartiate, ça? Ça n'a pas l'air spartiate. Si, si, c'est spartiate. Mais non, tu m'as pas vu. Mais non. Voilà. Bordel. Allez, on avance. Donc c'est un ancien temple, c'est ça? C'est qui ce mec là? C'est juste des brutes, c'est quoi? Ah ouais. D'accord. Ah ben putain. Ils se sont quand même fait chier pour pendre les mecs, hein, mon putain, la vache. Ils ont du temps à perdre. Hey, reste où tu es. Je
Éteignez ce feu! Ok. Pas mal, celle-là. Oh, merde! Ah, vous me faites chier tous. Tiens, fais-toi bouffer par un loup. Ah, la pâche! Ça commence quoi, c'est le bordel. Enfin, ça commence. Ça continue quoi. C'est seulement pour la récompense! Il y en a deux. What the fuck? Casse-toi le chien. What the fuck? Ok, vous me faites chier là. Parfait. On y retourne. On y retourne. En train de me chercher encore les autres. Alors. Un truc intéressant, c'est que si on se met là, ils pourront jamais venir. J'imagine qu'il faut tuer le mec. Ouais. Mettez-vous à l'abri. Sur l'archer, vite. Pousse-toi et roule par terre. Bon ben voilà. Parfait. Bon par contre il y a toujours un mercenaire qui vadrouille hein, mais bon. Il est peut-être parti. Ah non. Enfin, si oui plus ou moins. Il m'a fait peur ce con. J'ai cru qu'il m'avait tué quoi. Ah va te faire foutre. Mec, d'où il vient là?
Casse-toi. Alors, le port, ça c'est fait. Du coup, je sais pas dans quel sens en fait il faut aller. Je vais regarder la carte, c'est mieux, c'est plus facile. Ah, voilà, du coup, il faut aller de ce côté-là. Très bien. Je sens que ça va être bourrin cet épisode. Enfin, déjà dès le début, puis on n'arrête pas quoi. Je crois qu'on a 2000 pièces sur nos têtes. Sur notre tête. Bien. C'est bon, je sais où ça va être. Allez. Non, je vais attaquer ce On l'élimine. Boum boum. Touche pas mon mec. Ça va pas, tu le fous le feu. Non mais oh. Très bien. Allez, t'es libre, Athénien. On se verra sur le champ de bataille. Parfait. Prochain, c'est là. Ah, peut-être qu'on a perdu notre prime sur la tête. Oh non, on est à 3000. Non, j'ai rien dit. C'est parce que j'ai vu un mercenaire qui était en gris. Enfin, en blanc. Non, non, on est toujours extrêmement recherché. Du coup, vu qu'on est recherché à fond, on va faire ça. Juste au cas où. Et on va dormir. Enfin, on va attendre la nuit. What the... Restez en mouvement. Putain, le mec, quoi. Tu vas mourir. Bien joué. Vas-y, on fout le feu partout, gros. Vas-y, vas-y. Voilà. Ah merde. Tu disais? Oh la vache. Merde, c'est vrai que... C'est vrai que je peux pas partir comme ça. Il faut des ouvertures sur les pics, là. J'avais un peu oublié.
Ok, très bien, très bien, très bien. Temple. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Sanctuaire d'Ishtmia. Temple de Poséidon. Et là-bas. Il est grand celui-là, putain. Chalcon. Ok. Il y a plein de trucs à faire partout, tout le temps, quoi. C'est ouf. Alors, Chalcon, il faut le récupérer. On lui fait quasiment pas de dégâts avec ça quand même. Qu'est-ce que tu vas faire? Monter sur le temple? Rien du tout. J'étais pourtant certain que... Eh oui. Elle ne pourra pas se cacher. Bien. Il se passe quelque chose. Ouais, ça sent la viande brûlée. Ah merde. Oh là là, vous faites chier tous. Oh là là, vous voulez tous crever, c'est ouf. Ah mais vous allez tous crever les mecs. Je voudrais bien que t'éteignes ça vite en fait. Putain, il va mourir, je crois. Merde. Putain, fais chier. Ah, fais chier. On est trop puissant. C'est embêtant d'être trop puissant. Ouais, ouais, pas bon, pas bon. Oh, je pouvais rien faire, elle voulait pas...
faire une roulade. Genre quand elle était à terre. J'en étais sûr que ça allait m'arriver, ça. J'ai vu les dégâts, tu vois, c'est pas bon, ça. Ah, elle m'a bien chopé. Elle m'a bien chopé. Elle m'a mis par terre, elle m'a direct... direct fait un coup au sol. Good game, good game. Là, c'est GG. Hein. Putain de merde. Saloperie. On doit se retaper ça, quoi. Le mec il est dans la tente qui brûle quoi, putain. Oh mon dieu ce jeu. Bien. Est-ce qu'il y a toujours notre mec là? Ouais, Chalcon, il est toujours là. Ça marche. Jusqu'à la mort. Alors désolé de taper un peu dans le... Mais il est là, Chalcon. J'y vais tellement bourrin, je fais n'importe quoi quand même. Je veux pas dire, mais là... Ah putain, on a un... on a un mercenaire. Désolé, mais là ça m'amuse en fait d'y aller bourrin comme ça. Ah putain, ça le tue. Si je fais ça. Oh, ça lui... Oh là. Pardon. Bon, ben, Chalcon, hein, il était vraiment pas destiné pour être sur notre bateau. Hein. Je suis venu pour toucher cette prime. Oh la salope quoi. Mais... Oh non, vous recommencez. Oh là là, oh là là, oh que ça me gave, oh que ça me gave. Ah putain, c'est la première fois que je crève autant de fois quoi. Enfin, quoi que ça fait que deux fois en fait, je crois. Oh là là. Ah, on est de retour dans la forêt. Ah non. Mieux vaut éviter qu'on me voie ici. Va dormir, hein.
Très bien. J'ai ramassé une torche pendant le combat, j'ai pas trop compris comment. C'est quoi, parce qu'on fait trop de dégâts avec les flèches normales, puis après on fait pas assez de dégâts avec les flèches incapacitantes, c'est relou. Parfait. Je cherche des marins. Bon ben. Au final. Au final, il a rejoint notre groupe. Bon, par contre, elle, je vais la défoncer parce qu'elle me fait chier. Elle me fait vraiment chier, par contre. Alors, Chalcon. Pas mal. Elle me gave. Ah merde, j'ai pas les bonnes flèches, bordel de merde. Ah, très bien. Putain de merde. J'ai appuyé sur la touche pourtant. Bon. Quelle saloperie celle-là. Allez, c'est pas fini. Ah, toi, t'es bon pour le bateau, par contre. Avec ce que tu veux. Épave de l'Argo, nouveau lieu historique. C'est sympa ça. Alors c'est ici que Jason a quitté l'Argo. Apparemment, c'est ici que Jason a quitté l'Argo. Ouais, trouver un abri. Ouais. Il faut trouver où est l'archer. Juste là. Oh la pute. C'est bizarre, j'ai tiré une flèche de feu alors que j'ai des flèches incapacitantes. C'est peut-être parce que j'étais en feu en fait. Non, si, ça dure. Mon navire va bientôt partir. Je veux t'avoir à son bord. Bon. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut continuer un peu notre aventure? Ok.
Attends, on va sauvegarder. Pour éviter d'avoir des malheurs. Alors, le campement d'Erikis. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Ah, j'avoue que ouais. Par les dieux ! Merde. Pour l'honneur, c'est ça, ouais. C'est vrai que tu m'as pas fait grand chose en fait. Boum boum. Non. Boum boum boum. Bon bah ça se passe bien. Quand on n'a pas des mercenaires qui ont un coup de chance là. Alors, ça c'est fait. Là, on est une grotte. Attends, c'est pas fini? Oh. J'arrive, Athénien. Voilà. Ah, Sisyphe. J'aurais dû laisser faire Thanatos. Ah. Tombeau de Sisyphe. Comment on rentre? Comment rentre-t-on? Ah, trouvé. Bonjour. Ah merde. Bah apparemment, faut payer pour rentrer. Bon ben voilà, j'ai mon... Ça c'est mon laissez-passer. Ah, j'ai pas que ça à foutre. Le saut en arrière du mec. Ah ouh ouh. C'est mignon, il faisait à ouhou. Bon ben voilà. À ouhou. Le pauvre. Alors. Très bien. Bon, ça a l'air de se calmer un peu au niveau des mercenaires. On va aller là, là. Là, il y a une quête et tout ça. En avant, Phobos. Ouais, voilà, c'est Phobos de l'enfer, quoi. C'est qui, ça? Ah, des méchants.
Hôtel du Cyclope. Oh. Je me suis arrêté juste à temps. Bien. Allez, vite. Hey, go. Vas-y, défonce-moi tout ça. Très bien. Non, c'est moi que tu cherches. Ah, fallait ouvrir les yeux. Hein. Je t'en prie, étrangère. Ça m'étonnerait que je puisse marcher. Ah là là. Merci. Amène-moi chez mon père, s'il te plaît. Il vit au port de Sancré. Ça marche. Mais attends, j'ai encore une... Oh putain, je peux pas faire appel à Phobos. Ah, attends, attends, hein, bouge pas. Hein. Comment... Ouais, attends, bouge pas. Merci, merci, merci mille fois. C'est bon? Trouver la tablette. Ah putain, bouge pas mec. Désolé, mais attends deux secondes. Hein. Apparemment ils ont une tablette ici. Peut-être là. On va faire appel au à l'aigle. Ah, ok. Elle était derrière. C'est bon, j'arrive. Je te ramène chez toi. Oh, mais comment c'est loin ? Ce serait plus rapide à cheval. Ouais, je suis d'accord. Bouge pas, Phobos. Alors, fais pas attention. Mon cheval, il est en feu. Ouais, fais pas gaffe. Qu'est-ce qu'ils te voulaient, ces brigands ? Ils ont dit quelque chose à propos de toucher leur dû. Mais je ne vois pas de quoi ils voulaient parler. Tu ne les avais jamais vus ? Parfois, ils m'ont rappelé quelque chose. Depuis mon enfance, une bande de brigands harcèle les hommes du port où j'ai grandi. D'accord. Bah ils feront plus chier à personne, on a tué tout le monde. Putain, je peux pas passer? T'es sérieux? Ouais, ok. On peut pas passer en dessous de l'arche avec le cheval. Hey. Nous y voilà. La maison de mon père. Oh là là. Vas-y, ramène-toi. Ouais, comme elle l'a pris, c'était stylé, c'était rapide. Pas mal. Bon, bah voilà. Alors, est-ce que ma divine protectrice a un nom ? Cassandra. Ravi. Je suis Lykinos, célèbre poète d'Athènes. Je suis venu rendre visite à mon père et à mon frère. Oh, à ce propos. Timothéos, je suis là. Et voici la belle Cassandra. Elle m'a sauvé alors que je venais ici. Mais où est... Père est mort. Quoi ?
Oh merde. Il a été tué par des brigands de la région. Et c'est comme ça que tu me l'annonces ? Il faut que je me prépare pour les funérailles. Tu devrais en faire autant. Pour avoir sauvé mon frère. Si tu es aussi forte que tu en as l'air, j'aurais peut-être besoin de tes services. Ah, je n'en reviens pas. Même le ciel y pleure. Tous les chagrins sont différents. C'est vrai. Ton frère a perdu son père, lui aussi. Depuis son retour de la guerre, Timothéos n'est plus le même. Il s'est battu pour Athènes ? Oui, pendant quelques temps. Comme mon père. Maintenant, ils sont pêcheurs. Enfin, mon père l'était. Laisse-lui du temps. Ah, laissons Timothéos ruminer. Tu es mercenaire, n'est-ce pas ? Je veux que mon père soit vengé. Évidemment. Tu n'as pas vu couler assez de sang aujourd'hui ? Si, mais c'est pour cela que j'ai besoin des services d'un Mystios. Mon frère aussi a dit qu'il aurait besoin de toi. Pas mal, ça. Ouais, ouais, ouais. D'accord, je vais rester et vous aider. Comment vais-je trouver les brigands dont a parlé Timothéos ? On dit que leur repère se trouve à l'ouest d'ici, dans le temple en ruine de Zeus. Je vais faire payer leurs actes. Je l'ai déjà tué, je crois. Ah non, peut-être pas. Timothéos, il paraît que tu as besoin de mon aide. Mon père a servi dans les forces athéniennes. Il mérite des funérailles militaires dans son armure athénienne. Mais elle a été volée, chez nous, il y a peu de temps. Tu veux que je la récupère ? Non. Mon père a dit avoir vu le voleur quitter la ville après son méfait. Mais le marchand devrait avoir des armures athéniennes. Dis-lui que c'est pour les funérailles de Dioclès. Ils étaient amis. J'aurai cette armure pour les funérailles de ton père. Je me suis déjà occupé des brigands près du temple en ruine de Zeus. L'Ikinosaure. Je dois récupérer l'armure pour Timothéos. Ah voilà, c'est bien ce que je disais. Je savais bien qu'on les avait déjà défoncés, les mecs. Par contre... Il doit être aveugle. Il disait à son frère des obsèques militaires et une armure athénienne. Désirait offrir à son frère, à son père plutôt. Ouais, mais du coup, je vais où moi ? Attends, où est-ce qu'on va là ? Parce qu'on a fini déjà une quête, donc de tuer les mecs. Mais récupérer l'armure, du coup, on le fait comment ? Parce que là, il me montre rien du tout. Il faut prendre n'importe quel marchand ? Oh là là, l'orage quoi. Incroyable. Erré, étranger. Il veut quoi, lui ? Une bande de voleurs agit dans cette région. Chacun tremble pour sa vie. Et tu espères que je vais aller tuer tous les brigands ? Oui, exactement. Ouais. Je vais t'aider. Je suis certain que tu n'auras pas à le regretter. Laisse-moi m'en charger. Ouais, bon, ça, on verra. Par contre, je suis confus. Attends, c'est quoi la quête ? Tuer les brigands. Mmh. Chez un marchand. Trouver le marchand et lui parler. Le marchand est en Corinthie, d'accord.
Son village est dans la partie nord-est du bosquet de Chromion. Il est au sud du temple en ruine de Zeus. Alors, nord-est du bosquet et au sud du temple en ruine. Oh là là. Temple de Poséidon. Aphrodite. C'est un temple que j'ai pas fait. Je suis perdu, désolé, mais là... Cyclope. Temple de Poséidon. Tiens, j'ai même pas tout fini. Bah tiens, on va aller le finir déjà. Éviter de se faire voir. Excusez-moi, pardon. Je fais que passer. Lieu de torture de Sinis. On y va maintenant. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils dansent? Ok. Alors, il me reste des ravitaillements et des mecs à tuer. Des ravitaillements à brûler? J'ai rien vu qui... Oh merde. Oh là là! Bon après c'est normal qu'il me lâche pas, hein. Je vais pas me plaindre, c'est ma faute. Alors, il est où le ravitaillement? Ok. Je ne suis là que pour toi. Ciao. Ah putain de chien. Elle est en train de défoncer des mecs. Il y en a deux. Ouais, il y a que Pydra qu'on devrait récupérer. Ah la pute. Elle m'a balancé une flèche l'autre. Oh mon dieu. Ça m'a fait mal.
Ouais, exactement. Aïe aïe aïe. Joli. Joli tir. On va s'occuper de l'autre. Putain. Ça c'était un coup de pute ça. Rejoins mon équipage. Ça c'était un peu un coup de pute. Très bien. Qu'on peut se concentrer sur des trucs à faire. Bon, du coup, je sais pas exactement où est le marchand, donc on va juste se balader un peu. Par contre, bon, là, ça c'est la quête que j'ai acceptée, ça m'intéresse pas vraiment. Par contre, on peut faire ça. Trouver les temples, en fait, le temple de Zeus, là, qui nous manque. À moins que je l'ai loupé hein, sur la carte, hein, peut-être. Ça m'arrive, mais bon, c'est pas très très grave. On continue d'avancer. Mur de Nicias. Oh merde, 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 putain, pas ça. Là. Au secours ! Ça brûle ! Allez, aidez-moi ! Ah putain de coup de pied spartiate là. Au secours ! Ça brûle ! Eh mec, relève-toi hein. T'as mal joué là. Je te félicite pas. Combien de fois ils vont dire que ça brûle? Quelqu'un s'amuse à siffler? Oh merde. T'es sérieux là? Oh la vache. Putain, le coup dans la tête, quoi. À la flèche, quoi. Oh la vache. Bon, il me manque quoi ici? Genre des... quelque chose à récupérer? Il y a les trésors. J'en ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé le deuxième. Ok. En fait, le camp est super grand. J'ai pas fait gaffe. Ah tiens, on va voir si on peut le faire sauter, lui. Ça marche.
Ouais, c'est pas mal, ça remplace le coup de pied spartiate. Comme j'ai dit, comme je disais. Alors, next. Tiens, il y a le combat là. On a des... Ouais, j'ai vu qu'il y avait des mercenaires qui se baladaient. Ils sont encore un peu loin, mais ils vont nous rattraper au bout d'un moment. Il y a du monde. Allez. La mort est sur toi. Allez, montre-moi un peu ce que tu sais faire. La mort. Il a une attaque tellement débile, mais genre il peut toucher tout le monde, quoi. C'est abusé. Bon. Allez, relève-toi, défonce. Ah, il s'est fait défoncer, donc il se casse, quoi. C'est pas spartiate, ça. Hein. Des flèches sur nous ! J'ai trouvé les archers ! C'est de là-bas qu'on a tué ! Et le mec, il recule. Ton pote est mort déjà. Eh ben très bien. Encore autre chose. Ok. Ah, c'est juste à côté, putain. Bon, on va se concentrer sur l'histoire principale ou pas ? Que là on a fait beaucoup de secondaires, on s'est beaucoup amusé. Preuve du jugement. On peut faire l'épreuve du jugement, ça c'est la femme qui nous avait envoyé. Ça a l'air intéressant, on peut faire ça. Allez. En plus il y a une route qui y va, donc autant en profiter. Techniquement c'est pas complètement du secondaire, hein. C'est une quête quoi. Par où on peut passer? Ah ouais, elle est là la route. Pas si c'est du secondaire, mais bon. Bah, c'est des missions quoi au moins. C'est pas juste des camps qu'on détruit juste en passant. Mégaris. Bon bah bienvenue. Ne perds pas ton fils, je te l'ai fait.
Oh la vache. Et merde, je brûle. Voilà. Merci. Vous soutiendrez, monsieur. Bah de rien. Oh 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 oh, ça c'est à moi. C'est pas à moi ça? Ça là, c'est pas un truc à récupérer. Mais bon. Bah je suis étonné, mais c'est pas un camp en fait, ça. C'est juste... De ces faits. Ouais, ok. Ah, d'accord, on l'a déjà fait, mais la tablette, elle reste. Oui, je m'en rappelle, on l'a déjà fait en plus. Mais la tablette reste, en fait, ça c'est bête. Oui, on... Hop là. C'est bon, on y est. Une plaque en or ? Marqué du soleil. Une offrande à Apollon et à sa force juvénile. Apollon. Un navire miniature en offrande à Poséidon. Quelqu'un craignait visiblement de périr en mer. Ici repose mon frère, un homme brave. Il a décidé d'affronter l'ennemi qui menaçait notre village, mais son navire a sombré et les requins l'ont dévoré. J'ai déposé ici le peu de lui qu'on a retrouvé. Comme toutes les créatures de la mer, les requins sont aux ordres de Poséidon. Est-ce lui, le dieu le plus dangereux? Bah pas vraiment, hein. Si on va pas dans l'eau, il fait rien. Ha. Protège-nous des dents qui déchirent et des bêtes qui mordent. On dirait une prière d'enfant. Ici repose mon père, simple paysan. Un lion l'a mis en pièces alors qu'il rentrait son grain. Puissent les dieux lui accorder la paix. Un lion est une bête à la fourrure dorée, dont la crinière ressemble au soleil. À coup sûr, un favori d'Apollon. Est-ce que ça fait de lui le dieu le plus dangereux? J'en sais rien. Toi, je sais qui tu es. Athéna t'a envoyé pour me tuer. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je devais être jugé pour meurtre. Mais un incendie a détruit le tribunal et toutes les archives. Alors, on m'a libéré. Et alors ? Ensuite, Athéna m'a dit en rêve que la justice me trouverait. Et te voilà ! J'ai accompli une mission divine. Non, on va pas faire ça. Une vieille femme m'a engagé pour venir ici. Tu ne fais pas partie de ce contrat. Mais ça peut toujours changer si tu me mets en colère. Je sais ce que m'a dit Athéna. J'affronterai la mort une lame à la main. T'es sérieux là? Non. Oh merde. J'ai vu tout ce qu'il y a à voir ici. Reste à donner une réponse à cette femme. Ouais, non, mais elle est méga loin. On va faire autre chose. Pourquoi j'ai pas le marqueur? Pourquoi je vois pas le marqueur comme ça du coup? Bizarre. Ah, mais Prince of Persia. Non, 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 on est sur 4 sur 5. Non, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit. Le dirigeant, on s'en fout. Ok, on peut faire le combat. On peut faire le combat? Ah oui, ici, oui, 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 c'est pas la même zone, ok. C'est pas pareil. Je sais pas trop ce qu'on pourrait faire. Ouais, non, si, il faudra aller récupérer notre récompense, en fait. Ouais, on va récupérer notre récompense. Attends, qu'est-ce qu'il a à dire, lui? Ouh.
Je sais pas ce que j'imaginais. Peut-être, je sais pas. On va grimper parce que là... Très bien. Bon, faut faire attention, il y a des mercenaires qui traînent. Ah oui, on fait le combat ou pas? Moi je dirais pas non. Alors par contre, je me rappelle plus comment ça fonctionne. Genre là c'est spartiate, donc les attaquants c'est difficile. Ouais, défi difficile, défi normal, ok. Donc, quand on attaque c'est difficile. Bon par contre je vais enlever le cheval de feu, ça j'aime pas du tout en fait. J'aime pas du tout. Tu sais ce qu'a dit le capitaine ? Porteuse d'aigle, tu tombes bien. Une bataille se prépare et nous aurions besoin d'un mercenaire tel que toi pour repousser les frontières spartiates. Ça marche. D'accord, j'accepte. Ravi de l'entendre. Allons envoyer ces spartiates aux enfers. C'est parti. Nous allons rougir nos effets de leur sang. On va mettre le feu à tout le monde. Le capitaine, il est là. Ah, ça marche bien de mettre le feu partout, hein. Il est où le capitaine? Il est là-bas. Ah, jolie ton épée, toi. Putain. Il s'effondre. Ah la pute. Ouais, 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 pas bon, pas bon, pas bon. On a été sauvé par Arès. Putain de merde. D'où il me touche, quoi. Ah,
Ah, il est chaud, lui. Très bien. Oh, les dégâts, quoi. Ah, je t'ai vu venir, toi. Je fous le feu à tout le monde, quoi, c'est énorme. Ah, pute, quoi. C'est marrant parce que quand ils sont désengagés, on les voit plus en feu, mais on voit leur vie descendre quand même. Oh, on les a massacrés, quoi. Ah, on les... Ouais, on les a massacrés violents quand même. 50k d'expérience. Et capitaine. Ah, c'était assez violent. Allez. C'était assez violent. Tu veux quoi, toi? Rien? Ok. Hey. Ouais, c'est super efficace, hein, le feu. Hein, même dans des combats comme ça. Parce qu'on dirait qu'on on leur fout le feu avec genre un seul coup d'épée. Et même si on se désengage et du coup on voit plus leur vie, tout ça, ils ont pas l'air d'être en feu, ils ont plus l'air d'être en feu en fait. Mais au final ils sont quand même en feu. Parce qu'on voit leur vie descendre. Relève-toi, Phobos. Mais ouais, extrêmement puissant. Puis on est de retour. Tu es resté bien longtemps au cimetière. Qu'as-tu trouvé? J'avoue. Comment sais-tu que j'y suis allé? J'ai mes sources. J'ai de la terre sur mes sandales? Quelque chose dans le regard? J'ai l'impression que tu es très perspicace. Peut-être, mais quel dieu considères-tu comme le plus dangereux, Poséidon ou Apollon? Pourquoi tiens-tu tellement à le savoir? Parce que j'ai deux tâches à confier à un Mystios, mais la plus simple peut aller à n'importe qui, ou presque. Je compte faire appel à toi pour la plus périlleuse, naturellement. Apollon et ses lions sont les plus dangereux, la divinité la plus dangereuse c'est Athéna. Poséidon et ses requins sont les plus dangereux. La divinité la plus dangereuse, c'est Athéna. Ils sont tous les deux dangereux. Mais j'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'Athéna m'avait envoyé le tuer. C'est étrange. Si elle pouvait entendre tes paroles, je suis sûre que la déesse de la justice en sourirait.
Ouais, j'aime pas l'eau. Un homme a été mis en pièces par des requins, alors qu'il partait affronter des pirates. Cela ressemble au châtiment qu'inflige Poséidon à ceux qui l'insultent. Défendre en causant la mort un territoire que nul homme ne peut envahir, Poséidon semble en effet le plus dangereux. Ravi que tu sois de mon avis. Tu as examiné la question avec sagesse, j'approuve. Prends ceci pour ton jugement avisé. Je me demande... J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui cherches à me juger. Tiens donc, écoute bien ceci. Un homme a pris de grands risques en allant en mer. Peut-être pourrais-tu découvrir pourquoi. Son tombeau parlait de pirates. Ce danger est peut-être encore là. Tu devrais aller voir sa famille en Mégaris, au sud du temple en ruine d'Apollon. Je vais lui rendre visite. Je me demande s'il y avait vraiment de mauvaises réponses, en fait. La mer ne livre pas volontiers. Épreuve de caractère. Ouais, non, mais attends, tu veux que j'aille dans l'eau et tout? Si on peut éviter la mer, honnêtement, moi, ça me va. Attends, je peux peut-être y aller en bateau, ça va plus vite. Recule ! Voilà. Excusez-moi. Oh merde. Arrête de me faire chier. Il est où mon bateau? Je voulais passer sans problème en plus, hein, mais bon. Ils sont pas très sympas. Ils sont pas extrêmement sympas. Par contre, j'espère qu'il est dans le bon sens, hein. Je suis sûr qu'il va être dans le sens pour aller à droite. Yes, il est bon. Ok, cool. Parfait. Allez, on y va, les Spartiates. Paré au départ. Tout est paré, capitaine. Vitesse maximale. À la voile. Très bien. Allez, poussez-vous les Spartiates. Et rangez vos boucliers, les laissez pas sur le pont comme ça. Non mais oh, sans deck. C'est une armée ou c'est des branquignoles? Mystios. Mais on le connaît lui, non? J'ai prié Poséidon pour que quelqu'un d'aussi puissant que toi vienne nous aider. J'avais presque perdu espoir, mais te voilà. J'ai appris que ton village était en danger. Oui. Mon frère a pris la mer pour affronter les soldats qui menaçaient de nous incendier. Ils n'aiment pas les pirates, vois-tu. Mais ils lui ont tendu une embuscade et... Mon pauvre frère n'est jamais revenu chez lui. Les requins sont sans pitié. Comment sais-tu qu'il a été tué par des requins? J'ai vu la tombe de ton frère. Je compatis à ton chagrin. Merci. C'est gentil de me dire ça. Est-ce que ces soldats vous menacent toujours? Oui, mais j'ai eu une idée. Je vais construire un navire de guerre qu'ils ne pourront pas couler. Et mon village vivra. Tu as l'air résolu. Que te reste-t-il à faire? Beaucoup de choses. Une unité cantonnée près d'ici s'en prend toujours à nous. Sa présence m'empêche d'aller chercher des matériaux. Donc tu veux des matériaux, ou que disparaisse cette unité de soldats? Tu es aussi perspicace qu'Athéna en personne. Oh waouh. Que serais-tu prête à faire pour nous? Je vais faire regretter à ces soldats d'avoir pris les armes contre vous. Oh merci Mystios. J'ai entendu dire qu'ils étaient à l'ouest du sanctuaire d'Ajax. Alors, c'est là que j'irai. Il reste du travail à faire. C'est où ça? C'est loin?
sanctuaire d'Ajax. Trouver et éliminer les soldats, et cela se trouve en Attique. What? Leur base est sud-ouest de l'île de Salamine. En Attique. Ah tiens, il y a Cléon, on doit finir. Oh lolo. Leur base est au sud-ouest de l'île de Salamine. C'est quoi l'île de Salamine? Chasse aux fantômes. Ah oui, c'est vrai qu'on avait un truc avec les avec ça là, Orion là. Je me rappelle plus ce que c'était exactement. Genre on faisait pas des recherches pour récupérer une nouvelle armure là d'antique en fait. Sud-ouest de l'île de Salamine. C'est quoi l'île de Salamine? En Attique. Ça, c'est l'Attique, tout ça, là. Boéto, Attique. C'est quoi exactement l'Attique? Tout ça, l'Attique. Donc, du coup... Égine. Salamine. Ok. Alors, sud-ouest. Leur base dans le sud-ouest de l'île Salamine. Donc ça, sûrement. Ouais, c'est à gauche. Du coup, ouais, je dirais ça, ouais. Ça m'a... Bah, on peut faire l'île de Salamine entière, en fait. On peut aller à la carrière directement. En bateau. Avec le lion sur la tête, c'est pas mal ça. Allez, plus vite. Alors est-ce qu'il y a un port? Celle-là, la carrière, on l'a fait ça. Épave. Oh merde. Plus doucement. Oh, je voulais pas faire l'épave. Fait chier. Mon dieu, c'est éparpillé partout, quoi. Bon. Bon, il y a peut-être qu'un seul requin, parce que là, c'est bas, là, en fait. Pas vraiment dans l'océan. Non, 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 non. Cool. Cool, cool, cool. On les entend. On les entend des profondeurs. Ça marche.
Il chante super fort, ce quand même. Je veux pas dire, mais... Bah après, c'est des Spartans, des Spartiates. Allons-y. Parfait. Parfait, parfait. Non, on se pousse les Spartiates. Qu'est-ce que tu manges? On vous a dit de bouffer? Non mais oh. Donc nous voici en attique. Eh, mets un masque, oh. On va aller voir le forgeron. Bonjour. Offrons les meilleurs prix. Ah ouais. Le métal, on a peut-être pas besoin d'en acheter. On a un peu beaucoup quand même. J'imagine quand même que de faire de l'argent comme ça, là. Et après d'acheter les ressources, je crois qu'on en récupère plus des ressources. Je pense. Tu vois, ça fait quoi ça? Ah, peut-être pas en fait, j'en sais rien. C'est juste que c'est méga lent quoi, c'est horrible. Autre chose, dis-le moi. Ça marche. Attends, il y a plusieurs endroits. Oui, il y a deux endroits. On va d'abord faire ça là-bas. Et après on ira à droite. Ah ouais, faut suivre, hein, faut boss, hein, quand même. C'est pas parce que je saute qu'il faut pas sauter. Allez, on y va. Temple d'Athéna. J'entends un... Ah, c'est pas un ours. Je pensais que c'était un ours. Il y a un putain de tigre. De rien. Du coup, je prends mon... Ma paye. Eh ben, ça en fait les offrandes. Ok. Allez, on y va. Je suis quasiment sûr que c'est là. Après, il reste pas beaucoup de zones. Si c'est sur l'île en elle-même, il n'y a que ça. Sanctuaire en ruine d'Ajax. On m'attaquera sans poser de questions. C'est peut-être pas ça. Faut voir. Peut-être là-bas. Non. J'avais vu un autre endroit vers... Je sais plus. Personne. Ah!
Oh la vache, bien joué. Trésor. Oh, ok. Ah, j'imagine qu'il y a une... Ah. Une tablette, j'allais dire, mais je crois. Un truc qui est là-haut, ça peut être qu'une tablette. Ouais, voilà. Quoique. Ah non. Ah, j'ai rien dit. Je pensais vraiment que c'était une tablette qui était posée. Ah, une tablette ancienne. Il y a bien une tablette, mais c'est pas ça. Ah, ils sont là. Ok, ok, trouvé. Du coup, ils étaient pas marqués sur la map. Par contre, la tablette... Ah, elle est là-bas, quoi. Parfait. Merde, il y a un civil. Soldats, je crois. Bien joué. Que les dieux te bénissent, Mistios. Merci. De rien. Bon bah très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Du coup, on peut retourner. Ah, ouais, il y a bien un lieu que j'avais pas vu. Ok, on peut faire ça, puis après on reprend le bateau et on repart. Enfin, on devrait s'arrêter en fait, parce que l'épisode va être très long après. J'avais pas vraiment fait attention à ça. Ah, c'est quoi ça, une grotte? Ah, un tombeau. Ciao. Enfin, me dis pas que... Mon dieu, débile. Débile les dégâts des animaux, quoi. Oh la vache. Le machin, quoi. Alors, on va le faire vite. Hein. Ah ! Ça va.
Oh la vache. Mais bon. Très bien. On vient de là ? Merde, on vient de là, je crois. Oh, il y a plein de chemins. Passe, passe, passe. Putain de merde, quoi. Oh la vache. Tout va bien. Ce labyrinthe là. Là maintenant je remonte. Ah non mais là j'ai fait du mauvais là. Ah quoique. Quoique. Parfait. Parfait, parfait. Je suis content. C'est de ce côté, du coup ? Merde. T'as vu que ça monte et ça descend? Non, 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 de l'autre côté. On est bon. Je sais pas pourquoi j'ai essayé. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On a un point d'aptitude. On va le mettre. Histoire juste de le mettre, quoi. Là, c'est quoi? C'est dégâts portés à 150%. Ouais, ça peut toujours être utile, je dirais. Après, il y a ça. Alors, j'avais dit que c'était pas top. Et on avait vu qu'honnêtement, c'était pas top. Hein, même au niveau 3 et tout ça. Mais peut-être pour aider notre mercenaire si on l'utilise souvent. J'en sais rien, en fait. Non, en fait, on s'en fout. Non, en fait, on s'en fout. Après, avoir un animal, c'est plus chiant qu'autre chose. Non, non. Attends, on va continuer avec ça. Très bien. Et le troisième, ça, durée des charges réduite de 25%. Ah, ça, c'est bien, ça. La charge, ça, c'est bien. Du coup, mon bateau... Ouais, moi, mon bateau, il est là-bas. Alors, on va s'arrêter là. On va prendre le bateau la prochaine fois. Bah, ça s'est bien passé. On a fait pas mal de trucs et tout ça. C'était cool. Bon là on s'est un peu reperdu sur des quêtes. Bon c'est pas du secondaire genre juste des camps comme j'ai dit à détruire et tout. Là c'est juste des quêtes en fait de... Je sais pas même pas si c'est vraiment des quêtes d'histoire mais... C'est des quêtes en tout cas. Donc on a fait ça, c'est bien.
Et on continuera la prochaine fois. La prochaine fois, on va peut-être se recentrer, en fait, sur, sur l'histoire. Sur l'histoire, peut-être. Ça serait bien. Mais ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et on continuera la prochaine fois. Ciao, ciao!